Bienvenue à l'Institut Cissé, club de football dans le quartier populaire de Yopougon, à Abidjan. On y forme gratuitement une centaine de jeunes âgés de 9 à 18 ans. Souleymane Cissé en est le fondateur. Cet ancien international ivoirien a créé ce centre avec ses fonds propres et une idée claire. Le plus important pour moi n'est pas le football. Je le dis et je le répète encore. Le plus important, ce n'est pas le football. C'est la scolarité déjà, l'école. Si les enfants sont d'abord sélectionnés sur leur qualité à manier le ballon rond, ils doivent aussi rapporter des bonnes notes à l'école pour conserver leur place. Et pour ceux qui n'en ont pas les moyens, le centre peut apporter une aide financière. Je vois beaucoup de jeunes qui viennent des quartiers populaires et qui ont vraiment la passion du football. Je me suis dit pourquoi ne pas capter cela pour les ramener vers le chemin de l'école, parce que beaucoup sont déscolarisés. C'est le quartier, c'est la couche sociale assez démunie. Hein. Donc pour moi, je me suis dit utiliser le football comme levier pour les ramener vers l'école. Très bon buteur, Abdoulaye est formé à l'Institut Cissé, mais comme les autres, il continue d'aller à l'école. Aujourd'hui en classe de 4e, il doit parfois rendre des comptes sur son travail. Ils nous demandent souvent, quand on finit les devoirs ou les interrogations, ils nous demandent d'envoyer nos feuilles, les feuilles de devoirs ou d'interrogations, pour qu'ils permettent de voir comment on travaille à l'école. Après l'école, l'objectif est aussi de former ces jeunes à un métier, car tous ne pourront pas vivre du football. La prochaine étape pour l'Institut Cissé est de créer un centre de formation pour des métiers comme la plomberie ou la menuiserie.